Bonjour tout le monde, c'est Mému, je suis ravie de vous retrouver après de nombreux mois d'arrêt, j'avoue. J'ai fait le choix de faire une petite pause ces derniers temps pour s'occuper de ma petite famille. Ça a été plus que nécessaire et puis le temps de prendre le temps de se remettre d'événements pas très joyeux. Voilà, de faire une petite pause, de laisser passer l'été et la rentrée, me revoilà. Avec grand grand plaisir de me dire que je vais repartager avec vous plein de jolies choses créatives et qui j'espère vous plairont beaucoup. Donc on s'était arrêté l'année dernière sur un jeu que nous faisions avec mon association Les Scrapésiennes, qui consistait à tirer dans un petit bol les petits papiers avec des sujets. Donc on va finir la série parce que nous l'avons fini nous à l'association. En début d'année, du coup. Donc, on va reprendre le fil. Il reste deux défis, donc deux cartes Memory Dex et deux cartes tout court à vous montrer. Et nous reprenons avec le défi numéro 4, dont je vous mets le sujet en image, juste ici. Donc, le sujet qui consiste à faire une carte avec le combo beige-violet-gris. Avec un élément chat et un timbre. Donc pour le matériel de cette carte, je vais utiliser mon papier préféré, Payton. C'est du 250 grammes, il se tient très bien. Il accepte beaucoup beaucoup de techniques différentes, des mouillées, des sèches. Donc c'est un papier idéal et il se maintient bien quand on fait des structures. J'ai également préparé quelques petits éléments. Donc vous avez ici quelques timbres. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Je me suis fait une petite découpe timbre ici, toujours dans mon papier Payton. Et j'ai préparé des tamponnages que j'ai détourés et colorisés avec ma palette aquarelle. Et là, c'est du Gris Mini Création. Je vais vous montrer les planches. Donc c'est la collection de l'année dernière. Donc ici c'était la planche T Halloween 02 et la T Halloween 01 pour bien sûr avoir mon élément avec le petit chat. Je vais utiliser ici des dies. Alors ce sont des dies au chemin qui permettent de découper des morceaux de terre sur les cartes. Ça fait sympa. J'ai aussi l'option nuage, mais là je vais utiliser cela. Et je vais utiliser cette planche Halloween pour réaliser mon fond de carte. Donc de la marque All and Create, c'est la planche 1052. Voilà, au niveau du combo, donc je vais travailler avec mes encres Distress Oxide. Donc le violet, le beige, le gris et le noir pour apporter du contraste. Hop. Et au niveau du matériel, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vais les utiliser avec des petites brosses. Je vais vous montrer ça en direct. Pour cette carte, on va utiliser une technique de pop-up. Technique qu'on a déjà pas mal vue sur Internet. Il y a des dies adaptés pour faire les découpes. Mais bon, perso, je ne les ai pas. Donc je me suis fait les découpes toute seule, tranquille. Et je vais vous donner toutes les mesures et tous les éléments pour la réaliser. Alors voilà, j'ai profité d'être hors caméra pour commencer à faire mes plus grosses découpes. Donc ici, vous avez deux morceaux de papier découpés dans mon bloc de papier Payton, d'un format de 13 cm en largeur et 15 cm en hauteur. Avec une perfo d'angle, j'ai juste arrondi les bords, c'est franchement pour avoir un résultat final plus sympa. Ici, sur les bords gauche de mes papiers, alors je ne sais pas si on va bien le voir, j'ai fait deux petits repères au crayon en haut et en bas à 1,5 cm du bord et à 3 cm du bord pour réaliser des plis. On va réaliser deux plis en accordéon. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre mon réglet. Je prends mon cutter. Alors, pour réaliser des plis, je ne passe pas avec la lame du cutter. Je passe avec le dos. C'est juste pour marquer mon papier.
et faire en sorte qu'il se plie plus facilement sans se casser. Donc là, je marque mes plis sur le premier. Et sur le second. Là. Donc, je vais prendre mon premier papier. Et je vais venir plier le pli qui est le plus à l'intérieur vers l'extérieur. Et le second pli vers l'intérieur. Vous obtenez ça. Et l'autre papier qui va venir dans ce sens-là, donc j'ai mes plis qui sont du côté droit, je vais venir le plier vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme ça. Donc il y en a un où j'ai plié vers l'arrière en fait et un vers l'avant. Et mes deux papiers vont venir se superposer ainsi pour faire comme une petite boîte avec deux ailettes sur les côtés. D'accord? Ok? Donc ici c'est le moment de commencer à réfléchir à notre design. Donc on a le papier du devant qui, enfin le papier du derrière, du coup, qui se plie vers devant, qui va venir faire le fond de carte, et on va avoir un premier plan qui est le papier qui se plie vers l'arrière. Donc ce premier plan avec mes dies chemin, je vais venir le réduire un petit peu pour qu'on puisse voir le fond du papier qui est derrière. Donc je vais prendre mon dies et je vais aller le découper rapidement à la Big Shot. Voilà, j'ai découpé mon petit chemin qui va venir du coup ici. Alors ce petit morceau je le réserve, soit je l'utilise en tant que chute pour tamponner, soit je le mets de côté pour faire une autre carte, ou on peut faire aussi notre élément vers le haut. Voilà, je vous montrerai d'autres cartes, j'espère un peu plus tard, avec la même technique, mais avec cette partie-là dirigée vers le haut. Voilà, donc là, c'est le moment fun, j'allais dire. Oui, c'est le moment fun. On va sortir nos encres et on va ancrer et travailler nos fonds. Alors, mes Distress Oxide, mes petites brosses, et c'est parti. I'm staring at the shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. J'ai relativement bien avancé
mon design de fond. Alors le tamponnage, je vais le laisser comme ça parce que je vais avoir des éléments qui vont passer devant. Je veux pas qu'il soit trop non plus présent. Donc je vais juste le laisser tamponner en noir. Je vais pas y mettre ni de couleur ni de gel blanc pour le contraste. Je vais le laisser comme ça. Donc maintenant vient se poser la question de la consigne timbre. Alors, je ne sais pas trop si je me sers de mon timbre blanc pour induire un titre, du coup m'en servir en tant qu'étiquette. Ça peut être pas mal. Ou si je mets mes timbres colorés pour faire comme un petit fond, quitte à repasser une couche d'encre dessus après. Je ne sais pas encore. Par contre, je suis sûre qu'il faut que j'en mette au moins un. Donc, on va se le réfléchir encore le temps de faire le mécanisme pop-up qui va venir révéler un élément caché. Donc, en fait, cet élément pop-up va venir s'inclure à l'intérieur. Alors, j'ai déjà découpé la pièce, mais je vais le refaire avec vous pour bien vous montrer. C'est franchement pas sorcier. Donc elle va venir s'intégrer à l'intérieur et quand je vais tirer sur les ailettes de ma carte pour la mettre à plat, l'élément va remonter et on va avoir un élément qui va pouvoir se redresser. Donc il va venir là et ça va faire comme ça. Donc si je colle un élément dessus, eh bien forcément il va apparaître quand je vais tirer sur mes ailettes. Voilà, donc ça je réserve de côté. Je vais me prendre une chute de papier, donc toujours du Payton. Je vais vous agrandir un peu. Hop. Et j'espère que ce sera assez visible pour vous. Donc pour ça, je me sers d'un réglet métallique. Et je ne vais pas batailler pour mes longueurs, vous me connaissez maintenant. Je vais venir caler le réglet métallique vraiment sur le bord de mon papier. Hop. Et je vais tirer un trait au crayon. Alors je vais essayer de bien marquer mes traits pour que ce soit très visible pour vous. Là, donc ici j'ai ma base qui sera là. Maintenant je vais venir mesurer la largeur de mon repère que j'ai fait. Donc à partir du bord, mon repère il fait 1,3 cm. Donc je vais tourner le papier dans ce sens-là. Et ici, je vais venir mesurer 1,3 cm. Je me fais un repère. Et je vais pouvoir marquer l'endroit de mon premier pli en diagonale. Donc là, je le fais en pointillé. Là, ici, j'ai mon premier pli à 1,3 cm. Mon élément pop-up, donc par rapport à ma carte, je vais pouvoir régler l'emplacement en changeant ici sur la base l'écartement entre mes deux plis. Donc si je veux que mon élément apparaisse plus du côté gauche de ma carte, donc si je veux qu'il apparaisse plus du côté gauche, donc quand j'ouvre ma carte, il viendra devant le château. Je laisse un tout petit écart. Donc moi, c'est ce que je veux. Donc je vais laisser 5 mm. Si vous voulez que ça se décale un peu plus, vous pouvez rajouter un peu plus de centimètres. Alors attention, comme il y a un effet de bascule, si vous voulez vraiment votre élément du côté droit, je ne vous conseille pas ce pliage. Je vous conseille un pliage en L. En L comme ça. Donc avec une base forte et ici une base un peu moins épaisse. Donc c'est ce qui va venir coller la base de collage pour notre personnage. Et ici de réaliser votre pli, mais de n'en faire qu'un. Et après ce sera à vous de régler la hauteur pour pouvoir actionner votre mécanisme correctement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc en variant les deux espaces, enfin l'espace entre mes deux plis,
je vais pouvoir jouer sur l'écartement de l'apparition de mon objet pop-up. Je vais pouvoir le placer sur ma carte. Donc ici, je laisse 5 mm parce que moi, je veux que mon élément pop-up apparaisse à gauche. Là, je viens mesurer. À partir de mon repère du haut, 1,3 cm. Voilà. Pour reporter mon point en bas, il suffit juste de mesurer la longueur entre le bord du papier et votre point qui est là. Donc là, moi, ça fait 3,1 cm. Je le reporte en bas. 3,1. Et donc là, je peux tracer mon deuxième pli. Alors moi, je l'appelle le pli en pyramide parce que vous avez deux plis à faire. Si vous rejoignez en haut, ça fait une pyramide. Là. Et là, je vais venir faire ma base de collage. Donc pour ça, c'est très facile. Il faut quand même une bonne base et que ce soit assez rigide. Donc moi, je vous conseille entre 5 et 6 mm pour la base de collage. Donc là, je mesure 5 à 6 mm de ce côté. Je prends l'autre bout de mon papier. Je mesure 5 à 6 mm de l'autre côté. Alors je tourne le papier pour que vous voyez bien. Et là, je vais tracer mon trait de ce côté-là. Et ici, je rejoins ici. Et là, je vais venir le découper en enlevant tout ce qui est à l'extérieur pour obtenir cette pièce-là. Là, toujours de la même manière que tout à l'heure, avec mon réglé et le dos de mon cutter, je vais repasser sur mes plis pour pouvoir le plier bien correctement. Donc là, je remarque mon pli sur mon repère. Et je vais venir plier vers l'extérieur. Hop là. Alors, plus on est précis, mieux ça marche. C'est assez compliqué d'être très précis quand on a des toutes petites pièces comme ça. Là. Et je marque bien avec mes ongles mes plis. Hop. Et je les inverse. Voilà ma pièce qui va faire mon espèce de levier dans le mécanisme ici. Donc là, je vais recouper un peu la longueur parce que j'en ai mis beaucoup. Donc que de quelques centimètres. Il faut que vous ayez assez de base pour coller. Et donc ce mécanisme va s'intégrer à l'intérieur de ma carte. Voilà. Donc le temps de faire ça, j'ai statué sur mon timbre, je vais l'évider, je vais prendre la découpe timbre, je vais l'évider, la teinter en gris et je m'en servirai pour faire, pour induire mon titre et le décorer, faire un peu de déco autour. Voilà, le temps de faire ça, je vous retrouve de suite. Allez, j'ai toutes mes pièces qui sont là pour mon mécanisme pop-up. Je vais maintenant passer au collage. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre colle, si elle n'est pas prise rapide,
Si vous êtes plus à l'aise de le faire au double face, n'hésitez pas à le faire au double face. Par contre, voilà, une fois que c'est posé, c'est collé. Moi, j'aime bien pouvoir jouer un petit peu, je suis pas très très précise comme ça à la base dans le collage. Donc, ma tacky glue fera très très bien l'affaire. Donc ici, je vais venir coller ma première partie, donc le devant, sur le bord de ma carte. Pour ça, je vais le retourner et venir mettre de la colle que sur l'ailette de l'extérieur. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, il faut pas que ça bave. Donc, j'en mets très très peu et en plus, avec mon doigt, je viens vraiment l'étaler pour être sûr que ça ne bave pas et que ça ne coule pas quand je vais coller mes deux éléments. Et là, je viens coller, mais vraiment bord à bord, la partie de devant sur la partie arrière. C'est pour ça que j'aime bien faire avec la colle, parce que le temps qu'elle prenne, j'ai quand même la possibilité de jouer un peu et de déplacer mes éléments si besoin. Donc ici, c'est collé. Je vais venir ouvrir à plat ma carte. Et donc là, vous voyez, vous avez un espace ici, mon petit pli qui est là. Là, alors, j'ai eu un petit souci au collage sur la première carte. Donc, je me suis rendu compte déjà qu'une fois pliée, ma carte, on voyait le design ici sur le côté. Donc, je vous montre. Du coup, j'ai teinté vite fait avec ma petite brosse et mon encre, ma carte. Donc, ici, je vais venir, une fois que c'est collé, ouvrir mon pli et prendre ma pièce que j'ai réalisée tout à l'heure. Voilà. Donc vous avez le triangle plein devant et quand vous le retournez, vous avez les deux petites ailettes derrière. Donc ici, je vais venir encoller mon ailette que sur ce petit bout. Donc, je vais vous le montrer. Hop, hop, hop. On met la colle que sur la partie qui est colorée. Alors on met très peu de colle. Hop, hop, hop. Avec mon doigt, je viens enlever le surplus. Et là, je vais venir coller ma pièce dans ce sens-là. Donc la tige vers en bas. Je vais coller le bord de mon triangle. Pardon, je bafouille. Je vais coller le bord de mon triangle, le grand bord du triangle, le long de mon pli ici. Et là, je vais bien appuyer. Et normalement, quand je ferme ma carte ici, que je prends tous les éléments et que je tire, hop, magie du pop-up, la partie apparaît. Donc là, il ne me reste plus qu'à fermer ma carte. Hop, je vais venir. Alors vous voyez ici, c'est un peu long. Je vais le raccourcir un petit peu. Je vais venir fermer ma carte comme ceci. Donc là, je vais me faire un repère pour savoir jusqu'où je mets ma colle. Je mets ma colle sur l'ailette. Alors toujours pareil, j'en mets pas trop trop. Et là, comme tout à l'heure, je viens jouer pour bien fermer ma carte bord à bord. Là, et normalement, je prends l'ailette en haut, l'ailette en bas, quand je tire, voilà. Et là, je vais pouvoir venir passer à la décoration de ma carte, donc avec mes éléments que j'ai colorisés plus tôt. Tomorrow, when I throw me down, you can lead me to the side.
find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lied to me. Want me to find it, cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, cause I'm not done. I just want me to find it. Voilà, cette carte pop-up d'Halloween est finie. Alors, j'espère que le système vous a plu. Vous m'avez vu au niveau du titre le redécouper et le recoller. Alors, je ne voulais pas la démarcation du timbre dessous, du coup. Donc, c'est pour ça que je l'ai découpé. J'ai passé un petit coup de feutre bien sur les côtés pour pas avoir trop de démarcation de blanc sur la tranche de mon mot. Et des petits points de gel blanc pour remarquer la couture du tampon de départ. Voilà. J'ai rajouté 2-3 strass, je pense. Mais dans l'ensemble, cette carte est finie. Voilà. N'hésitez pas à partager et à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour cette fois-ci la carte Memory Dex avec les mêmes consignes. Bye bye!